Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Nous sommes le 1er octobre 1855. Louis Hachette ne le sait pas encore, mais il vient de signer ce jour-là un contrat juteux. Lui qui a bâti sa fortune sur l'édition de manuels scolaires peut désormais se targuer d'avoir une nouvelle corde à son arc. Le voilà qui se lance dans la littérature jeunesse. Mais il lui faut recruter de nouveaux auteurs pour développer sa collection. Eh bien, c'est chose faite en cette journée d'automne, quand la future auteure, phare de la Bibliothèque Rose, promet de livrer son premier ouvrage. Depuis, la comtesse de Ségur n'a pas cessé d'enchanter ses petits lecteurs grâce aux mésaventures de ses personnages candides. Quand elle écrit ses premiers romans, Sophie de Ségur n'est pas de la première jeunesse, et pour cause, c'est une grand-mère de près de 60 ans qui entame là sa carrière d'écrivain. Pourtant, 5 décennies plus tôt, Sophie Rostopchine aime déjà raconter toutes sortes d'histoires. C'est son terrain de jeu qui alimente son imagination. Il faut dire qu'il est impressionnant. Des milliers d'hectares achetés par son père dans la campagne moscovite. Là-bas, la petite Sophie colle à la légende familiale, mi-sauvage, mi-cultivée, tout comme le chef mongol Gengis Khan, dont elle serait la fidèle descendante. Mais la voilà bien vite arrachée à sa Russie natale pour gagner l'Empire français et épouser un jeune comte. Sauf qu'avec Eugène de Ségur, la lune de miel est de courte durée. Alors Sophie quitte rapidement Paris pour s'installer dans un joli château normand. Au domaine des nouettes, la Russe retrouve pour de bon la verdure qu'elle aime tant. 8 enfants et une flopée de petits-enfants plus tard, la voilà bien à l'aise dans son jupon de percale, prête à prendre la plume. Et ça marche. Puisque Sophie n'a jamais oublié le goût de l'enfance, elle a le don de raconter des histoires aux plus jeunes. Après la signature du fameux contrat, les ventes de ses livres s'envolent. Forte de ce succès, la comtesse se transforme en machine à écrire. Ses petites histoires lui viennent sans effort, si bien qu'elle noircit sans rature des centaines de feuillets. Voilà de quoi ravir Louis Hachette, bien heureux de publier chaque année 2 à 3 romans signés Ségur. La maison d'édition touche le pactole et la grand-mère reçoit de quoi gâter sa progéniture adorée. Mais ça ne lui suffit guère, alors place à la négociatrice. Notre comtesse compte bien mener une bataille, et pas des moindres, puisqu'elle obtient que son pécule lui parvienne sur un compte en banque à son nom. Oui, c'est une première pour une femme mariée. Sophie de Ségur peut se frotter les mains, son mari Eugène ne se fera pas 1 centime sur son dos. Plutôt sur ses mains, puisqu'elle écrit. Et c'est une petite revanche, car Eugène est bien gentil, mais ce goujat ne s'est jamais privé d'abandonner sa femme au profit de maîtresses par dizaines. C'est donc une comtesse financièrement indépendante qui livre 20 romans pour enfants en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais où la comtesse de Ségur va-t-elle chercher toutes ces histoires, me direz-vous? Eh bien, inutile de chercher midi à 14h, elle l'épuise dans ses souvenirs. Car s'il est un adage qu'elle ne cesse de rabâcher, c'est bien l'idée qu'il ne faut écrire que ce que l'on voit. Voyez plutôt. Dans son premier roman, Les petites filles modèles, la comtesse de Ségur relate les aventures de Camille et Madeleine de Fleurville. Eh bien, ces petites héroïnes ne sont autres que les doubles littéraires de ses propres petites filles, Camille et Madeleine de Malaret. Dans le roman, les fillettes vivent au château de Fleurville, soit une description parfaite du château des Nouettes, le refuge normand où la comtesse de Ségur a élu domicile. Dans ce récit, encore, peu de place est donnée aux maris et aux pères, de même que chez les Ségur, Eugène brille par son absence. Quant à Sophie de Réan, la célèbre héroïne des malheurs de Sophie, eh bien, la comtesse assure que c'est une petite fille qu'elle a bien connue dans son enfance. Mais vous l'aurez compris. Pour écrire l'histoire de cet enfant désobéissante qui accumule bêtises et punitions, Sophie de Ségur a ressuscité Sophie Rostopchine. Sophie qui se coupe les sourcils, Sophie qui abîme sa poupée de cire, Sophie qui tue ses petits poissons, Sophie qui se fait mordre par un cheval. Tous ces petits malheurs, Sophie, si elle a 60 ans désormais, les a expérimentés dans sa campagne russe. Et s'il est un personnage fictif qui évoque particulièrement son passé, c'est bien celui de Madame Ficini. Vous savez, cette femme cruelle que l'héroïne a la malchance d'avoir comme belle-mère, il se pourrait que ce soit une copie de Catherine Rostopchine, la mère de la comtesse. Eh oui, même si elle a grandi dans une superbe propriété, la comtesse n'a pas connu une enfance très tendre.
Son père l'aimait beaucoup, mais Fiodor fut plus occupé à brûler Moscou à l'approche des troupes napoléoniennes qu'à prendre soin de sa marmaille. Et du côté maternel, c'était une autre paire de manches. Mieux valait éviter d'avoir affaire à Catherine et à sa sévérité légendaire. À la moindre bêtise, Sophie Rostopchine risquait le coup de Knut, et oui, un fouet, tout comme son héroïne Sophie Drian, qui n'en finit plus de subir les sévices de Madame Fichini. Les livres de la comtesse de Ségur ont beau être destinés aux enfants, elle reste fidèle à son credo. On ne tronque pas la réalité. Mais pour son éditeur, les coups de fouet, les gifles et les privations de nourriture, c'est un peu trop dur pour le cœur innocent des marmots. Alors, on n'hésite pas à rogner quelques éléments du récit, quitte à agacer sérieusement la comtesse de Ségur. Il ne faut pas s'y tromper. Les châtiments corporels, elle les condamne fermement. Elle veut montrer les conséquences néfastes qu'ils ont sur les enfants. En réalité, elle distille ici ou là de petits conseils d'éducation aux parents. Et peut-être est-elle même avant-gardiste. En valorisant la liberté de mouvement des enfants, par exemple, n'a-t-elle pas coiffé au poteau Maria Montessori et sa méthode toujours à la mode aujourd'hui? À vous de juger. Europe 1, historiquement vôtre.